going to talk to you this morning about the rewards of his mission. Alors, pourquoi j'exhorte ce matin l'orbe en récompense de sa mission? Are you ready? Est-ce qu'ils sont prêts? Rewards of his mission. Récompense de sa mission. I'm going to let me just give you an intro for you to know what we are going. Alors, laisse-moi donner une autre introduction dedans. We are going to look at two main persons in the Bible. Nous allons regarder qui est principal dans la Bible. About their mission. Alors, leur mission. And their reward. Et leur récompense. We're going to look at Jesus. Nous allons regarder Jésus. And Apostle Paul. Et l'apôtre Paul. And please let me just before I move on. Et avant me continuer dedans. Listen to me. Écoute-moi. You know my wife is a couple of months younger than me. Alors mon madame est quelques mois plus jeune que moi. Many months. Plusieurs mois. Okay, somebody saying no. Again, no. Many months. Plusieurs mois. And I was telling her. Et moi pédia lui. You know there is things in life. Et dans quelque chose dans la vie. I know that you don't know. Vous connaissez que toi tu pas connais. Because I was there before you were there. À cause moi tu là avant toi tu là. Let's take for example. Par exemple. Someone who is doing HSC. Un quelqu'un qui fait HSC. He knows something that somebody in form 4, I don't know how they call it now, grade 8, don't alors, know. Il connaît quelque chose qui man dans form 4 pas connaît. Amen. So we must listen. Alors nous devons écouter. Especially to those who are ahead of us. Spécialement à quelqu'un qui est devant nous. You know, one thing is touching my life. Un quelque chose qui me touche ma vie. Recently, I'm learning from them. Je peux apprendre de cela. Many people who are here. Tout le monde qui est en bas. Maybe financially. Peut-être financièrement. They think when I get there. Je pense comme pour là-haut. I will be happy. Je pour heureux. I will be okay. Je pour okay. Then they do everything to be there. Et là, je fais tout quelque chose pour but là-bas. But I have realized. Même réalisé. People who are already there. Mais quelqu'un qui est déjà là-haut. They know. Je te connais. Serving, being a blessing, servir. This is what brings peace. Et une bénédiction, ça me ramène la paix. Before I left, one of the specialists, a pediatric doctor, he is non-believer. Il est non-croyant. He came to see me again. Il vient visiter moi. And you know, he has volunteered himself to check up all the kids in the orphanage. Et il vient volontaire pour faire tout check-up dans pour les enfants de l'orphelinat. Amen. Amen. And we thank all of you again. Merci en cause de tout. The European Union went to do a site visit there this week. L'Union européenne vient faire une site visite là-bas. They are so happy they say they themselves can stay there. C'est tellement content qu'ils disent que même ça reste là-bas. Laisse-nous taper la main. So God bless you all. Alors, Dieu bénisse tout. So and when he is there, he wants to serve. Alors quand là-bas, il a envie de servir. 3 weeks ago, you know, I talked about this surgeon, ENT surgeon. À 3 semaines de cela, je cause ça chirurgien là. Amen. He came just to be a blessing to the youth. Il vient juste pour une bénédiction à mes jeunes. These people don't need money. Ça m'a dit, pas besoin d'argent. They're already here. Ils sont déjà là-haut. Best car, best house. Béni, ils ont un meilleur auto, meilleur la life. Bon la vie. But you see when they have arrived this height. Mais je trouve quand on arrive ça au ciel là. They understand. Je comprends. The real peace. Le vrai la the paix. The real joy. Vrai la joie. Is to be a blessing to others. Y a bénédiction à les autres. Do you see that? Est-ce que je trouve ça? So very important. Et très important. Let us start. Laisse-nous commencer. Amen. Amen. Don't wait until something happens then just say Bishop you were right. Pas attendre que tu arrives dire Bishop tu as raison. Amen. Amen. In John chapter 17 verse 23. Dans Jean chapitre 17 le verset 23. Look at this. I in them, you in me, that may they may be made perfect in one, and that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. John 17, 23. Jean chapitre 17, verset 23. Let's say it like that for you to understand. It's like a summary, a resume of the mission of Jesus Christ. Il y a un résumé de la mission de Jésus-Christ. Why did God send Jesus on the earth? Qui fait Jésus qui fait Dieu finalement Jésus sur la terre? God so loved the world. Dieu finit tellement contre le monde. He came to show the world the love of God for them. Pour montrer l'amour de Dieu à travers de lui. Is that okay? Est-ce que ça lui ok? Of course, in doing so to save mankind. Mais à travers de cela pour sauver l'humanité. Listen to this again. You have sent me and have loved them as you have loved me. Il a dit une finale à vos autres. Pareil comme un film avec moi et un film content. So Jesus had a mission. Alors Jésus tenait une mission. Amen. He was very nice there. He was very well comfortable in heaven. Il était très confortable dans le ciel. But God said, my son. Et Dieu finit mon garçon. I have a mission. Go and. Une mission. And love the people and save them. Et aller pour sauver le monde. Apostle Paul had a mission. Apôtre Paul tenait une mission. In Acts 26 verse 15. Dans Actes chapitre 26. So I said.
Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. 16. Le verset 16. But rise, stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Okay, just a short again summary of the life of Paul. Alors, un résumé de la vie de Paul. Paul was a Pharisee of Pharisees. Paul était un pharisien de tout bon pharisien. He had status. Il avait un statut. He had wealth. Il avait de l'argent. He was somebody. Il était quelqu'un. He was on his road to Damascus. Il était à Damas. He had a letter. Official letter in his hand. Il tenait une lettre officielle dans sa main. To arrest Christian. Pour arrêter les chrétiens. To put them in jail. Pour mettre dans prison. Is that okay? Est-ce que ça est OK? On this road. Et là, ce chemin-là. Jesus Christ appeared to him. Jésus-Christ apparaît à lui. Gave him this revelation. Donné une révélation. And then he said, "Who are you, Lord?" Et il dit, qui s'en a toi, the Seigneur? The Lord said, "I am the Lord, Jesus Christ." Et le Seigneur dit, c'est moi, Jésus-Christ. And this is why I have called you, English, please. Et c'est pour cela en I have called you to witness of the things I have revealed to you. Pour être témoin de choses qui m'ont montré toi. Do you see that? Est-ce qu'ils ont trouvé cela? Jesus Christ had a mission. Jésus-Christ a une mission. And what I like with Paul? Et ce qui m'a content avec Paul? He was up there in society. Il était très haut dans la société. And you know what he said? Et ce qu'il dit? Everything I had. Tout ce qui m'a tenu. I considered it. As a loss for Christ. Me considérer comme de la boue pour gagner Christ. Amen. In the French, it says I considered it as mud. Mud. En français, il dit me considérer comme de la boue. Isn't it wonderful? Est-ce qu'il est pas merveilleux? Because he discovered I have a mission. Parce qu'il a découvert qu'il m'a Somebody say I have a mission. Et quelqu'un dit une mission. Amen. And very important. Listen to this C'est again. Très important. Écoute cela. As next week we are going in Swami Vivekananda International Convention Center. Comment semaine prochaine, nous parlons de SVICC. You know by now. Je te connais qui maintenant. After 3 weeks. Après 3 semaines. I am teaching. Je vais enseigner. This is from God. Ça vient de Dieu. God has called us to do that. Dieu fait un appel nous pour faire ça. You just heard how I got a prophecy in Singapore from someone who don't know me. Je ne trouvais qui dans Singapore qui connaît une demande prophétie qui m'ont pas connu. So all this again, God is showing us His confirmation. Alors tout ça, bon Dieu peut montrer nous sa confirmation. So we know this is a mission from God. Alors nous connaissons c'est une mission de Dieu. And this is your mission. Somebody. Says this is my mission. Et ça c'est notre mission. When God put us in a church, et quand Dieu fait nous mettre dans l'église, everything in the church is also about us. We are part of it. Tout qui est dans l'église est pour nous ici. Amen. The mission of the church becomes my mission. Mission de l'église devient nous mission. Is that okay? Est-ce que ça okay? So let's move on. Laisse-nous continuer. And it is a privilege. Et il y a un privilège. When we have a mission. Quand on a une mission. And in every book what Paul wrote. Dans tout livre que Paul finit écrire. This is beautiful. Whenever you start reading the epistle of Paul, quand tu commences à lire l'épître de Paul, do you know how he starts? Est-ce que tu connais comment il commence? Everything he said, grace of God. Tout ce qu'il dit par la grâce he said, de Dieu. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. So c'est grace of God. Alors c'est dans la grâce de Dieu. Amen. For Amen. To fulfill what God has called us. Pour accomplir ce que Dieu fait appel nous. Romans chapter 1 verse 1. Romains chapitre 1 le verset 1. Paul, a bond servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated to the gospel of God. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verse 2. Le verset 2. Which he promised before through his prophets in the Holy Scriptures. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Concerning his son Jesus Christ, our Lord, who was born of the seed of David according to the flesh. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. And declared to be the Son of God with power, according to the Holy Spirit, a spirit of holiness, by the resurrection from the dead. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Through him we have received grace and apostleship, for obedience to the faith among all nations for his name. Alors par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Let us say this prayer. Lift up your hands, say Lord, I thank you. Lève nos mains et dis Seigneur merci. For your grace. Pour ta grâce.
you have chosen me. Thank you for your grace. Merci pour la grâce. You have called me. Thank you for your grace. Merci pour la grâce. You have anointed me. Fin loin moi. Thank you for your grace. Merci pour la grâce. In my life. Dans ma vie. Never forget about that. Jamais oublier ça. And always thank him for his grace. Et tout le temps dis-lui merci pour la grâce. Amen. Just think about it. If it was not for His grace, many of you would not have been here today. It's a grace of God. C'est pas la grâce de Dieu. When we must appreciate this. Et nous apprécier cela. When He asks us to do something. Quand il demande nous pour faire quelque chose. It is a grace of God. C'est une grâce de Dieu. It is a privilege, like I said in previous message. C'est un privilège comme on dit dans le message précédent. So now we understand. Jesus had a mission, Paul had a mission. Alors là nous comprenons que Jésus tenait une mission et Paul tenait une mission. It's a grace of God. C'est une grâce de Dieu. What does it require now? Qu'est-ce qu'il demande nous maintenant? In this mission. Dans sa mission là. God give us. Dieu fait de nous. Acts chapter 26 verse 19. Dans Actes chapitre 26 le verset 19. Therefore, King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. So very important. Alors très important. Now Paul is in a court. Alors là, Paul est dans un coup. Okay, they are suing him. Je peux poursuivre lui. And he, in his defense, he has a long defense. Et dans sa défense, qu'il écrit une longue défense. Then one of the things he said, he was telling all the stories. Et dans l'étude, tout ce monde d'histoire. How God met him on the way to Damascus. Comment Dieu fin joigné le chemin de Damas. And what God asked him to do. Qui Dieu fin demandé à faire. God gave him this mission. Dieu fin donné sa mission là. And then he's saying, God, I was not disobedient. Et là, il dit qu'il m'a pas été désobéissant à sa vision. Do you see that? Est-ce qu'il se trouve cela? Very, very important. Bien important. When God gives us a mission, quand Dieu donne une mission, we need to obey. Nous devons obéir. Please don't wait for an earthquake. Pas attendre tremblement de terre. Amen. Amen. Some weeks ago, we had a small, thank God for small quelques semaines de earthquake cela, in Mauritius. Quelques semaines de cela, tu as un petit tremblement de terre. My God. Mon Dieu. Wednesday prayer meeting was full. Réunion prière mercredi, c'est plein. First day deliverance meeting, no place. Jeudi délivrance, c'est plein. Sunday meeting, no place. Dimanche, peine en place. Everybody is fasting for 8 days. Tout le monde peut jeûner 8 jours. I say, my God, revival. Je dis, mon Dieu, réveil. I was tempted to pray, God, send earthquake every day. J'ai tenté pour le Seigneur, avoir tremblement de terre toutes les semaines. I did not pray that. Non, man, prier ça. Do you see that we don't have to wait for something to move us? Pas besoin d'attendre quelque chose pour bouger nous. We must understand what God wants for us. Nous bizarre comprendre que Dieu est là pour nous. Can you say amen? Est-ce qu'il nous a dit amen? Be obedient. Être obéissant. Lift up your hand, say, Lord, I am obedient. Lève ta main, nous dis, moi, obéissant. And say with me. Et dis avec moi. Let's speak to the devil. Laisse-nous dire le diable. Oh King Agrippa, okay. Ou le roi Agrippa. Say, oh devil. Say, oh devil. Dis le diable. I remind you. Me rappelle-toi. I am not disobedient. Me pas être désobéissant. To the mission. À la mission. Do you see that? Est-ce que tu trouves cela? Listen to this. Écoute ça. Very important. Bien important. God knows my heart. Dieu connaît mon cœur. He gave a prophecy to someone who don't know me. Il donne une prophétie à quelqu'un qui ne me connaît pas. The devil also know us. Et le diable aussi le connaît. That's why we must walk in obedience to God. Et à cause de ça, nous devons l'obéissance avec Dieu. Can you say amen? Est-ce qu'il nous a dit amen? Whatever the price. N'importe qui le prix. In Acts chapter 9, verse 15 and 16. Le Acte chapitre 9, le verset 15 à 16. Just look at this. It will bless you. Laisse-nous guetter cela, ça vous bénisse. Acts 9, 15. But the Lord said to him, and now this is a story. Alors ça c'est une histoire. Okay. On the way of Damascus. Là au chemin de Damas. Amen. Paul, the apostle Paul, became blind. L'apôtre Paul devint aveugle. And God spoke to someone called Ananias. Alors Dieu parle à quelqu'un qui s'appelle Ananias. Say, Ananias, please go and pray for Paul. Il dit Ananias, allez à prier pour Paul. Amen. Because he Amen. Was blind now. Parce qu'il était aveugle maintenant. Oh, Ananias was afraid. Ananias peur. Say, God, I thought. Because he knew Paul as a great persecutor. Parce qu'il connaît Paul, c'est un grand persécuteur. Say no, I can't go there. Il dit Seigneur, non, pas qu'à aller. This is a context. Et ça, God context. Was telling Ananias. Et Dieu peut dire Ananias. Don't worry, you go and pray for him. Pas peur, allez prier pour lui. But the Lord said to him, go for he is a chosen vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings and the children of Israel. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël.
Do you see again? Est-ce que tu trouves ça encore? The mission. La mission. The mission. Somebody say mission. Again, the mission. Put your hand on your heart. Say, I have a mission. Mets la main aux autres, dis, moi j'ai une mission. I have a mission. Moi j'ai une mission. To save my nation. Pour sauver ma nation. I have a mission. Moi j'ai une mission. To go to Swami Vivekananda. Pour SVICC. Amen. What is our mission? Moi j'ai une mission. What is God requiring of us? Qu'est-ce que Dieu veut demander nous à ce temps? Number one. Numéro un. Pray. Prier. Two. Numéro deux. Fast. Jeûner. Three. 3. Participer. Participer. 4. 4. Come. Vini. Help. Aider. 5. 5. Bring your friends. Fill up this place for God's glory. Amen. Je vais camarade pour remplir sa place là pour la do gloire de Dieu. You understand that? Est-ce que vous comprenez cela? Listen. Many people are praying God. How many of you want to see Mauritius saved? Combien qui en envie trouve Mauritius être sauvé? Just singing some song, it will not be saved. This santé pas pour. Just praying won't happen. This prayer n'y est pas arrivé. We have been praying for 50 years, my friend. Nous avons prié pour 50 ans, mon camarade. Amen. I had a great respect for him. Our late Pastor Blackburn. Call him the father of Pentecostal movement in Mauritius. Un grand respect pour le pasteur Blackburn. M'appelait un papa pour la nation. He is no more. Il n'est plus là. And Mauritius is not saved yet. Et Maurice, il pourquoi être sauvé? So we need to do more than prayer. Alors nous devons faire plus que prier. We need to have action. Nous besoin d'action. Amen. Say again, prayer. Again, la prière. Fasting. Jeûner. Participating. Participer. Oh, sowing. I forget about the money. Sowing financially. Amen. And bring our people et there. Amen, nous, mes camarades. Amen. Amen. So don't miss that. Alors, pas rate cela. And look at Paul, what God said Paul. Et qu'est-ce que Dieu dit à Paul? For I will show him. Listen to this. I close in 9 minutes. Listen to vous this. Terminez dans 9 minutes. I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Alors, moi, pour montrer lui comment il doit souffrir pour mon nom. My God. Mon Dieu. You know, today many preachers are preaching. I call it a better message. Alors beaucoup du monde prêche, mais on appelle ça une prédication pas si bien. But Jesus, his message, you know what? Mais Jésus, ce message, like I said, don't pray, God, send me some suffering. Alors, prier, Seigneur, avec souffrance. I don't want this. Mais pas envie ça. But we must understand. Mais nous devons comprendre. We must love God. Nous devons content Dieu. Ready to die for Him if we need to. Prêt pour mourir si besoin. Can you say amen? Est-ce que nous pouvons dire amen? Yes, I thank you for your prosperity. Merci, somebody say amen. Mais, I thank you for healing. Say amen. Merci pour la guérison. Thank you for deliverance. Amen. Merci pour la délivrance. Nous disons amen. But whatever I have to do, I will do it, God. Mais tout ce que vous avez fait, moi, besoin faire, Seigneur. You know, everybody else was telling me, Bishop, how did you do that? You were here. Bishop, we have a crusade. You were out. You are flying. Last night I landed. Today I am in the second meeting. There is a price to pay. Not always, sometimes. But we must be ready. Mais nous êtes prêts. You know what Jesus said? Est-ce que connais qui Jésus dit? If you want to be my disciple, si tu veux être mon disciple, take up. Prends-le. Your mattress and follow me. Does it say that? Help me. Does God say, Jesus say, take your mattress from Dream on Mattress? What does it say? Take the cross and follow me. That's why we must be ready to obey Jesus, to fulfill the mission. Can you say amen? Let us look at the life of Jesus. Philippians 2, 5 and 9. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 9. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Amen. What was the mind? C'était quoi la pensée? The mind of Christ. La pensée de Christ. The heart of Christ. Le cœur de Christ. What Jesus do, he is our example, our model. Jésus-Christ est notre modèle, nous l'exemple. Who being in the form of God did not consider robbery to be equal with God. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Listen to this. Écoute cela. Jesus Christ was in a 7-star hotel there. Jésus-Christ dans l'hôtel 7 étoiles là-bas. I'm taking 7 star for you to understand a little bit. 7 étoiles pour vous comprendre un petit peu. But heaven is unlimited stars. Mais le ciel est des étoiles infinies. He was there. Il était là-bas. And God said, I have a mission for you, my son. Et Dieu dit, moi j'ai une mission pour toi, mon garçon. He was ready to go. Il était prêt pour aller. Amen. He became a servant. Il fut un serviteur. And made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of man. Il fut un serviteur, il fut comme un homme. Amen. Amen. Humble. Humilité. Humility.
Can you say amen? Est-ce qu'ils ont qu'à dire amen? Don't get caught with titles, position and all that. Alors pas mettre titre, position dans toute la tête. I was in this conference in Singapore. J'étais à cette conférence dans Singapour. I am a bishop. Moi un bishop. I was sitting at the back of the church. Mais je n'étais pas derrière dans l'église. There God saw me. Là-bas Dieu fait trouve moi. People who are in front did not have prophecy. Tout le monde qui n'avait pas une prophétie. You see, it's a heart. We must have a humble heart. Et ça c'est le cœur qui nous besoin, le cœur. We must have a servant heart. Vous êtes le cœur d'un serviteur. Amen. Amen. Don't worry about title, position, this and that. All this from the devil. Pas de titre, position, tout ça là. Verset 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself, became obedient to the point of death, even the death of the cross. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Somebody say obedience. Et qui vient dire l'obéissance. So when God give us a mission, alors quand Dieu donne une mission, we need to obey. Nous devons obéir. Like I say again, this coming the 35th Gospel Festival. Comme on dit, le 35e Gospel Festival. At SVICC. Dans SVICC. Is a mission from God for you. C'est une mission de Dieu pour vous. And me. Et moi. This is what God wants. Et c'est ça qui Dieu this envie. Is what God is asking. Et c'est ça qui Dieu peut demander. And again, we need to obey. Et encore une fois, nous devons obéir. Obey in every area. Obéir de tout man fasting, côté. Praying, sowing, jeûner, participating. Prier, semer, participer. And of course, bring many people. Amen. Et aussi amène beaucoup de monde avec can eux. You say amen? Est-ce qu'il nous a dit amen? And listen next verse now. What écoute happened? Écoute le verset après. Verset 9. Therefore, somebody say therefore. Again, dia. Cause ça. À cause ça même. Okay, therefore what? À cause quoi? Whenever you read a verse in the Bible, quand vous lisez la Bible, un verset de la Bible, we need to pay attention to all those words. Nous devons faire attention à ce même verset, à ce même mot-là. When mot-là. It says therefore, quand il dit à cause ça, therefore what? À cause quoi de quoi? Because he has done verse 5. À cause d'une fait verset 5. Because he has done verse 6. À cause d'une fait le verset 6. He has done 7. D'une fait verset 7. He has done 8. D'une fait 8. Then therefore, et God has ça, highly exalted Dieu him. Élève-lui. Do you see that? Est-ce qu'il se trouve cela? That's why I say there is a reward of his mission. À cause ça qu'il y a une récompense dans sa mission. When we obey God, quand on obéit à Dieu, committed to do what he asks us to do, engage-nous dans ce qu'il dit à nous, there is a great reward. Il y a une grande récompense. Apostle Paul said it. Apôtre Paul dit ça. In 2 Timothy. Dans 2 Timothée. What did he say? Qu'il dit? He said, I have finished the race. Il dit, termine la course. I have kept the faith. Bon, garde la foi. And there is a crown of glory kept for me. Une couronne de gloire qui peut attendre moi. Do you see that? Est-ce qu'il se trouve cela? God give us a mission. Dieu donne une mission. It's the grace of God. C'est dans la grâce de God Dieu. God expect obedience. Dieu attend l'obéissance. And God expect us to finish the work. Et Dieu attend qu'il nous finisse le travail. And there is great reward. Et une grande récompense. In John chapter 17 verse 4. Dans Jean chapitre 17 le verset 4. I close with this verse. Je termine avec ça. Listen to what Jesus said. Écoute ce que Jésus dit. Again we are talking about the Son of God. Encore une fois, nous parlons de le Fils de Dieu. Okay, 1, 2, 3, everybody. Let's read together. Un, deux, trois, I have glorified you on the earth. I have finished. Four in French. Verset 4 en français. Hallelujah. Okay, read together with Shimei. 1, 2, 3. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Go back in English. En anglais. You understand this? You understand now? Tu comprends ça maintenant? When we have God, this is Jesus. Ça c'est Jésus. We saw his mission. Nous trouvons sa mission. His obedience. C'est l'obéissance. And what did he do? Et qu'il y fait? He finished the work. Il finit le travail là. People of God. Peuple de Dieu. Let me ask you a silly question. Laisse-moi demander une question. That will make you think. Qui vous faisait penser. How many of you have only one eye? Please lift up your hand. Tous ceux qui ont un seul lisier, lève la main. Oh, you have only one eye? Vous avez un seul lisier? How many of you have only, I don't know, half heart? Lift up your hand. Combien dans la moitié les cœurs? Do you know when you were in your mother's belly? Et qui est-ce que tu connais quand tu étais dans le ventre maman? God did not allow you to be born at the on 3 months. Je peux me permettre qu'ils soient nés aux 3 mois. With half hands. Avec la moitié la main. Half nose. La moitié nez. Half ear. La moitié oreille. Half feet. La moitié les pieds.
Huh? You would look like a monster. Je vous parlerais comme un monstre. God finish the work. Et Dieu finit le travail là. I say God finish the work. Dieu finit le travail là. When you are complete. Quand une finette complète. Now say God is ready. Now your time to go. Et assez Dieu dit assez de carrière. And God expect us. Et Dieu attend de nous. To finish. Pour finir. What He asks us to do. Ce qu'il nous dit nous faire. This was a difference between King Saul and David. C'est la différence entre le roi Saül et David. By the way, Saul did a lot. Saül tu fais beaucoup. But did not do all. Mais il pas fait tout. A lot does not mean all. Beaucoup pas veut dire tout. But David. Mais David. C'est man after my own heart. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Who do all my will. Toute ma volonté. Do you see that? Est-ce que je trouve ça? God expect us. Dieu attend de nous. To finish the work He has given us. Pour finir ce travail qu'il nous donne nous là. And Paul knew this. Et Paul tu connais ça. He said, "I have finished the race." Il dit, "J'ai fini la course." I have kept the faith. Je garde la foi. Amen. Amen. I fight the good fight of faith. Je combat le bon combat de la foi. Now there is a crown of glory. Astier une couronne de gloire pour Do moi. Do you see that? Est-ce qu'ils ont Do you understand? Est-ce qu'ils ont compris This cela? Morning, take a quality decision. Alors, ce matin, prends une décision de qualité. To say, God, pour dire, mais Dieu, I know the mission. Let us stand, please. Let us stand.